L'avocat Iswick Théophin regrette le fait que le pays ne dispose pour l'heure d'aucun élu. Selon l'homme de loi, les dirigeants qui se sont succédés sont responsables de ce chaos. Il plaide en faveur d'un compromis politique entre tous les secteurs de la vie nationale. Faut constitutionnellement, article 94.2 et la trier, il dit que faut les renouveler, Sénat les renouveler en permanence. S'il renouveler en permanence, ça veut dire question pour nous à parler des fin mandat, c'est une question qui pas adoué même à l'ordre du jour. Mais malheureusement, par rapport avec irresponsabilité l'État, par rapport avec irresponsabilité monde qui a dirigé, eh bien, ils menaient nous dans un pays qui allait en dehors de tout principe démocratique. Jodian, nous a parlé des Sénat qui arrivent dans le thème, mais Chambre députée a. Nous n'avons pas de députés depuis des temps. Et ça a eu une conséquence directe sur toute l'autre institution. Notamment le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, là, côté que c'est l'Assemblée, c'est le Sénat qui peut faire choix des juges. Et vous pouvez voter par le président pour le président lui-même les nommer. Je dis à combien de juges nous gagnons comme juge d'instruction au niveau Port-au-Prince. Nous gagnons un grand juge d'instruction. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire dossier pénal, dossier judiciaire, il n'y a pas qu'à avancer. Tout dossier, depuis son dossier qui fait objet d'instruction, enquête, ça veut dire pour Haïti, pour juridiction Port-au-Prince, après 87, après disposition transitoire ça, qui réalisé. Eh bien, de réaliser en violation de la Constitution. C'est juste pour me dire, gagnons volonté manifeste de la part des autorités, nous, malheureusement, autorités, ça, qui toujours arrivent à accéder au pouvoir, pour que ne pas arrivent à entrer dans l'ordre constitutionnel établi. Et c'est ça qui mène nous là, je vous dis, côté que ou pas gagner. Aucune institution campée qui débouche dans le pays et qui incidence de gain une incidence directe sur fonctionnement ou même citoyen qui a payé taxes au jour le jour ou même citoyen qui besoin donc qui t'a dû gagner sacré le un droit à la sûreté, droit à la sécurité ou pas gagner droit ça yo par le fait que ou gagner des dirigeants irresponsables qui pas jamais mettez yo à la hauteur pour que yo offri population yon l'ordre de fonctionnement régulier.